tout le monde, toujours dans le cadre de, lors de nos conférences de Cardio à 2 du mercredi. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 mars 2021 et on va toujours rester dans l'interventionnel, la cardiologie interventionnelle. Et les docteurs donc Baouni et Mahdi et Kara vont nous présenter un petit peu un état des lieux. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 2020 en matière d'interventionnelle cardiologique? Tfadala, Baouni. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter les dernières études qui ont été présentées au ECT et à l'EuroPCR Valve 2020. Donc, on va commencer par les premières études qui ont été présentées au TCT. On va commencer par la première étude qui est l'étude Target FFR. Alors, l'étude Target FFR, elle a été faite à base d'un background qui stipule que chez les malades qui font des PCI pour une angioplastie X ou Y, chez lesquels on fait une FFR en post-PCI, si on trouve une FFR qui est élevée, des valeurs élevées de FFR supérieures à 0,9, on estime que ces malades-là, ils ont des major adverse cardiovascular events qui sont moindres par rapport aux malades qui sortent avec un résultat physiologique qui est moindre. Donc, maintenant, quand on fait une PCI qui est guidée essentiellement par l'angiographie, même si le résultat angiographique nous paraît bon, il a été démontré à plusieurs reprises que presque le tiers des malades, sur toutes les méta-analyses confondues, le tiers des malades sortent avec un résultat angiographique correct, mais avec un résultat physiologique qui est mauvais. Le tiers sort avec un résultat angiographique qui est très bon, qui est supérieur à 0,9, et le tiers a un résultat physiologique qui est intermédiaire, c'est-à-dire entre une FFR entre 0,8 et 0,9. Donc, l'hypothèse sur laquelle a été basée l'étude Target FFR, c'est que et si on essayait d'appliquer une méthode d'amélioration ou d'optimisation de notre PCI ou de notre angiographie, guidée par la physiologie, afin d'augmenter la proportion des malades qui ont une post-PCI FFR supérieure à 0,9. Donc, pour cela, l'étude Target FFR a été faite. Elle a inclus pratiquement les malades de tous les jours, c'est-à-dire des malades faisant des syndromes coronariens chroniques et aigus, sauf l'ischémie. Donc, elle a inclus aussi les angores instables et les non-ischémies. Elle a exclu les malades qui bénéficient d'une PCI dans un graft, c'est-à-dire dans un pont, ou les malades qui font une resténose sur un stent, les malades en insuffisance rénale et les malades en insuffisance cardiaque aussi. Exclu. Donc, voici le flow chart de l'étude. On a pris deux groupes, le groupe PIOS et le groupe contrôle. Le groupe contrôle, on commence par le plus simple. Le groupe contrôle, en fait, c'est simple. On fait une angiographie. Si on trouve des lésions qui sont critiques ou des lésions qui sont, on va dire, qui sont à traiter, on les traite le plus normalement du monde. On laisse le choix du traitement à l'opérateur et c'est lui qui va juger comment dirais-je? C'est lui qui va juger du traitement s'il est complet ou pas. Donc, il fait sa PCI, il met son stent, il post-dilate s'il veut post-dilater, il prédilate s'il veut, il prépare la lésion. Et quand il juge que la lésion elle a été bien faite, et on va randomiser, on va faire une FFR, puis on va randomiser le malade, mais sans communiquer le résultat de la FFR à l'opérateur. Dans le deuxième groupe, le groupe PIOS, et PIOS c'est pour Physiology Guided Incremental Optimization Strategy, c'est-à-dire une stratégie d'optimisation de la PCI guidée par la physiologie. On fait notre PCI le plus normalement du monde, puis on fait une FFR. Et quand on fait la FFR, on va communiquer le résultat à l'opérateur. Si la FFR, on juge qu'elle est optimale, c'est-à-dire qu'on a un résultat supérieur à 0,9, on considère que la procédure est complète et on randomise le malade. Maintenant, si la FFR, elle est inférieure à 0,9, on juge qu'il y a lieu de faire une optimisation. On procède à cette optimisation suivant un protocole bien déterminé par l'étude et après, on randomise le malade. Alors, voici le protocole proposé pour l'optimisation de notre PCI. En fait, le protocole, c'est très simple, c'est basé sur ce qu'on appelle hyperemic pullback, c'est-à-dire une stratégie de retrait. On place un guide de FFR, on mesure en distalité, puis on commence à faire un retrait step by step et on mesure la FFR à chaque fois. Après, on va déterminer un certain nombre de trouvailles. Soit on a un gradient diffus et là, c'est dû à une athérosclérose diffuse. À ce moment-là, on dit que le résultat peut être accepté, il n'y a pas d'optimisation vraiment à faire. Soit on a ce qu'on appelle un gradient transstent et c'est défini par une chute de la FFR, de la valeur de la FFR de plus de 0,05 sur un segment donné. À ce moment-là,
moment-là, on parle de HTG supérieur à 0,05 et il y a lieu de faire une optimisation essentiellement par des techniques de post-dilatation par des ballons NC. Soit on tombe sur carrément des steps ou focal steps, c'est-à-dire une chute faramineuse de la FFR de plus de 0,05, mais essentiellement sur des segments qui ne sont pas encore stentés. Et ça concerne essentiellement quand on est avant le stent et après le stent, c'est-à-dire quand on met le stent sur des plaques, sur les plaques à la sortie ou à l'entrée. À ce moment-là, on peut rajouter un autre stent en chevauché, bien sûr, et on refait une post-dilatation et on refait un test de retrait et on voit le résultat final. Maintenant, si le résultat reste toujours inférieur à 0,9, à ce moment-là, on estime qu'on ne peut plus faire d'optimisation et on finit par randomiser le malade. Donc, voici un exemple sur la technique qui a été appliquée. Donc, c'est pas très compliqué pour comprendre, hein. C'est très simple. En fait, on a le calcul de la FFR ici, la technique de retrait Bon, attendez un instant, je vais activer le pointeur laser. Donc, on a la FFR qui est appliquée ici. On commence par un retrait progressif. Ça, c'est le début du stent et ça, c'est la fin du stent, le distal edge. Et on commence à retirer et on remarque dès qu'on rentre dans la partie qui est stentée, on a une baisse progressive de la valeur de la FFR. Donc, on était à 1 et on baisse jusqu'à 0,9. C'est un drop qui fait plus de 0,10 sur une partie qui est stentée. Il y a lieu de faire une optimisation par une post-dilatation et c'est ce qui a été fait chez ce genre de malade ou dans ce cas d'exemple. Après, dès qu'on sort par exemple, on remarque qu'il y a une baisse importante sur un segment qui est tout petit, un drop de 0,05. Là, on définit ce qu'on appelle un focal step qui a été défini dans cette plaque-là. Donc, un focal step. Et là, ça peut donner lieu à un autre stint ou là, rajouter un stint à la fin de l'ancien stint. Là aussi, c'est le même exemple. Et là, on a un gradient qui commence avant le stint et après le stint. Donc ici, il y a lieu de rajouter des stints en proximal et en distal. Il y a lieu aussi de faire une post-dilatation intra-stint. Là, on a carrément une sous-expansion de stint. Donc à ce moment-là, il faut insister sur les post-dilatations. Le gradient trans-stint, il est de 0,15. Donc c'est énorme. Et si on veut, par exemple, comparer les résultats démographiques entre les deux groupes, on remarque qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes, c'est-à-dire que la randomisation a été faite de manière plus ou moins équitable. Alors, quel était le primary outcome? Je vous rappelle que nous, ce qu'on voulait faire, c'était d'augmenter la proportion des malades qui sortent avec un résultat physiologique qui est optimal. Pour cela, on devait avoir une différence de 20% entre le groupe contrôle et le groupe BIOS. Malheureusement, ce critère primaire n'a pas été atteint et on a une différence de 10%, soit un petit P aux alentours de 0,1. Donc, la différence n'était pas significative et on a échoué à atteindre le critère primaire. Par contre, le critère secondaire, significative. Donc, dans le groupe PIOS, dans lequel on a procédé à une amélioration, à une optimisation, on a réussi à faire améliorer la FFR en pré-PCI et post-PCI, ça a été significatif, et le coronary flow reserve aussi, on a réussi à l'améliorer. L'amélioration a été faite par post-dilatation dans près de 50% des cas, et ça donne une idée sur l'importance de la post-dilatation de routine dans l'angioplastie de tous les jours, par le rajout de stent dans 30% des cas seulement, et par les deux techniques en même temps dans 12% des cas. Alors, pour conclure, on va dire que après une étude, après une angioplastie X ou Y chez un patient quelconque, que ce soit un non-stémie, un non-corps instable ou un syndrome coronarien chronique, on a 30% des malades qui sortent avec un résultat angiographique qui est optimal. 30% aussi qui sortent avec un résultat physiologique qui est tout simplement inacceptable, inférieur à 0,8. Donc la lésion, elle est toujours significative physiologiquement. Et les 30% restants, c'est des malades de tous les jours qui sortent avec un résultat plus ou moins entre 0,8 et 0,9. La technique du pullback, hyperemic pullback,
couplé à une optimisation par la technique de Pios a été réalisée chez 50% des malades après randomisation. Et chez 50% là, chez 50% là de ces malades, on a pu améliorer la FFR et on a pu améliorer la CFR en pré et en post. On va dire que la majorité des malades avec un résultat angiographique qui nous paraît acceptable ont des résultats physiologiques qui sont suboptimaux. Malheureusement, comme on l'a dit, le critère primaire n'a pas été atteint, mais le critère secondaire, qui était de diminuer au maximum la proportion des malades avec des résultats physiologiques et qui sont mauvais, a été atteint. Donc, l'optimisation, quelle que soit la technique, elle est, on va dire qu'elle est primordiale. C'est vrai que la population target, c'est la population de tous les jours. On doit faire cette optimisation, même si on n'a pas, par exemple, même si elle n'est pas guidée par la FFR, mais on doit tout faire pour angiographiquement avoir un résultat correct et espérer que le résultat soit compatible avec un résultat physiologique qui est aussi tout aussi correct. La deuxième étude, c'est l'étude Prospect, et qui a été combinée avec une autre petite étude qui est Prospect Absorb. Alors, l'étude Prospect, elle, son background, c'est très simple. En fait, on a remarqué que, c'est une vérité générale, c'est que les syndromes coronariens aigus sont dus essentiellement à une rupture de plaques qui sont dites vulnérables. Alors, cette plaque qui est vulnérable, à l'occasion d'une angiographie pour un syndrome coronarien aigu, doit être identifié, c'est-à-dire les autres plaques qui sont dites aussi, tout aussi vulnérables, on peut les identifier et on peut faire un traitement, on peut leur proposer un traitement, qu'il soit un traitement pharmacologique ou un traitement interventionnel, afin d'éviter leur évolution fatale vers un syndrome coronarien aigu. Dans l'étude Prospect, on a essayé d'identifier ces plaques-là à l'occasion d'un syndrome coronarien aigu. Donc, il faut bien comprendre le contexte. On reçoit un malade en salle de cathé pour un syndrome coronarien aigu, soit un stémie ou un non-stémie. On fait la coronarographie, on tombe sur une lésion qui est coupable, on la traite, mais en même temps, on est tout le temps embêté par les autres lésions, que ce qu'elles soient serrées angiographiquement ou qu'elles soient intermédiaires. Alors, comment on pourrait viser les lésions qui sont les plus à risque de faire revenir le malade en salle de cathé, c'est-à-dire qui pourrait être responsable de MACE ou d'événements cardiovasculaires qui sont grave. Et c'est dans cette optique-là que l'étude Prospect Study a été faite. En fait, c'est une étude qui a été difficile à réaliser. C'est une étude basée beaucoup plus sur un concept assez futuriste. Et c'est essentiellement le NIRS associé à l'IVUS. Alors, qu'est-ce que c'est que le NIRS? Le NIRS, c'est très simple. C'est une technique near-infarcted spectroscopy. Alors, near-infarcted spectroscopy, c'est tout simplement, pour faire simple, c'est un cathé qu'on fait introduire, qu'on bat tout au long de l'artère et qui va déterminer la composition des plaques en lipides. C'est-à-dire, plus la plaque elle est riche en lipides, plus elle est sujette à se rompre et plus elle est sujette de provoquer des événements cardiovasculaires aigus. Donc, on vous explique le concept très simple donc de l'étude. On a randomisé les malades avec syndrome coronarien aigu, que ce soit stémie ou non stémie. Ensuite, on a fait un screening des artères restantes qui sont non coupables, des trois axes artériels, avec un cathéter IVUS pour déterminer les plaques qui nous paraissent intermédiaires ou serrées, et avec le NIRS après pour déterminer la composition de ces plaques. Et on a déterminé ce qu'on appelle les non-culprate lesions, c'est-à-dire des lésions, comme on l'a expliqué, des lésions intermédiaires, mais qui pourraient être responsables d'événements cardiovasculaires dans le futur. Et on a commencé à faire, c'est une étude prospective, on a commencé à faire un suivi des malades, c'est un suivi à long cours, pour détecter tous les MACE que pourraient faire les malades. Et ces MACE-là, on a essayé de les attacher, soit aux lésions culprites qui ont été traitées à J1, soit aux lésions non culprites, soit c'est des MACE non déterminés, ou soit c'est des MACE qui sont en rapport avec le scaffold randomized treated lesions. Alors, on pourrait faire abstraction de ce deuxième groupe-là parce que ça concerne la petite étude Prospect Absorb qui est une étude qui avait, en fait, elle avait essayé de traiter les lésions non coupables par des stents biorésorbables. Donc, c'est une partie qu'on pourrait omettre pour l'instant. Donc, le primary outcome, c'était les two MACE confondus, c'est-à-dire soit le décès cardiovasculaire, myocardial infarction, un angor instable ou un angor progressif nécessitant une revascularisation, etc.
Et voilà le scaffold dans le petit groupe, c'est-à-dire dans la petite étude ADIC de Prospect à Absorb, qui a traité les lésions intermédiaires par un stent biorésorbable. Voilà le stent qui a été utilisé. Alors, on a essayé après, donc voilà la technique du NIRS. C'est très simple, c'est un cathé qu'on introduit. On essaie de voir en spectroscopie la composition. Plus c'est jaune, c'est riche en lipides, et plus c'est rouge, c'est faible en lipides. Pour être un petit peu plus mathématique, arithmétique, on va dire, on a essayé de traduire ça sur le plan, c'est-à-dire sur le plan pratique, par des indices. Et l'indice, c'est Lipid Core Burden Index, et le max Lipid Core Burden Index sur 4 mm. Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est très simple. Plus l'indice est élevé, plus la plaque, elle est riche. Et on a pris tous les malades, puis on a essayé de déterminer le UPL, c'est-à-dire Upper Quarter Limit, comme pour les troponines. Et plus si la valeur, elle est supérieure à l'UPL, notre UPL, c'est-à-dire que la composition, elle est significative et la plaque, elle pourrait avoir un adverse outcome. Donc, quelles sont les caractéristiques des plaques non culprit lesions qui pourraient être responsables d'outcome mauvais dans le futur? C'est quand on a une plaque qui est riche en lipides avec une valeur supérieure à la valeur de l'UPL. Et si on a, par exemple, une plaque qui fait plus de 70%, pareil, vise toujours. Et si on a par exemple une surface luminale par IVUS qui est inférieure à 4 mm carrés. On a randomisé les malades et on avait trouvé que, en fait, dans toutes les lésions qu'on a vues, 25% des plaques avaient été riches en lipides selon la valeur qu'on a déterminée. C'était 324. Ça, c'est juste pour l'exemple. 20%, c'était des plaques de plus de 70%, et 38%, c'était avait une surface luminale, endoluminale, qui est inférieure à 4 mm carrés. Donc, le safety aussi, les safety en rapport avec la technique, on a eu juste une seule sténose qui était due à un spasme ou à une dissection, et une seule occlusion seulement. Donc, voici un exemple qui va nous expliquer, qui va essayer de un petit peu expliquer la technique. Donc, on reçoit un malade pour un STEMI en inférieur à J0, c'est-à-dire à la journée index, et il avait fait un STEMI en fait en inférieur qui est dû à une lésion de la CD3. Donc voici la lésion culprite. On la traite, cette lésion, en stent, on rétablit un flux TIMI 3, puis on introduit notre cathéter IVUS, on fait un screening de la CD, on détermine qu'il y a deux lésions. La première lésion, c'est une plaque qui nous paraît intermédiaire, on va dire angiographiquement 30 à 40%, même pas. Et la deuxième plaque, elle nous paraît c'est une sténose assez serrée, assez longue, mais elle reste quand même intermédiaire. Et quand on fait le NIRS, on va voir que dans la première plaque, il y a un max LCBI qui est supérieur à 384, qui est à 687, donc c'est une plaque qui est très riche en lipides par rapport à la deuxième plaque qui a une teneur très très faible en lipides. Et en même temps, la surface endoluminale de cette première plaque, elle fait 3,8, et sur IVUS, elle paraît qu'elle fait 80%. Donc, on randomise le malade et on fait le suivi, et on va dire quelques temps après, c'est-à-dire c'est une après une longue longue période de suivi, le malade effectivement finit par faire un myocardial infarction, c'est-à-dire un IDM sur le même territoire, c'est-à-dire en territoire inférieur. On refait la coro et on trouve que c'est la première lésion effectivement qui est responsable de cet événement aigu. Donc ça, l'exemple paraît un petit peu caricatural, mais ça permet de comprendre la conception de l'étude et ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a essayé de démontrer. Donc, les MACE ont été suivis sur 4 ans. Sur 4 ans, voici en bleu, vous avez les MACE qui sont en rapport avec les non-culprit lesions, c'est-à-dire celles qu'on a essayé d'étudier, et c'est à peu près 8%. En rapport avec la culprit lesion qui a été traitée la première fois, c'est à peu près 4,2. Les MACE qui sont pour lesquels on n'a pas pu déterminer la cause, c'est 2,5. Et en rapport avec le scaffold qui a été utilisé, le biorésorbable, c'est aux alentours de 4,3. Donc, c'est la même chose que le MACE. Mais ça, c'est une autre étude
qu'on ne va pas détailler pour l'instant. Donc, en conclusion, on va dire que, en fait, les mails sont en rapport avec les lésions non coupables au cours d'un syndrome coronarien aigu constituent une proportion qui n'est pas négligeable. Que la technique associée à la coronarographie, une technique de Divus, puis faire passer un cathéter de NIRS était safe, donc on n'avait pas d'événement indésirable en rapport avec la technique, et que le NIRS peut être utilisé comme une technique qui est efficace pour identifier les angiographiquement sur des lésions angiographiques qui paraissent modérées à intermédiaires, des lésions qui pourraient évoluer de manière défavorable, surtout quand c'est très riche en lipides. Donc, ça, c'est pour la deuxième étude. La troisième étude, c'est l'étude Combined OCT FFR. Donc, de son nom, on peut comprendre que ça associe deux techniques qui sont une technique d'imagerie, une technique physiologique, l'OCT et l'FFR. On sait que l'FFR est largement utilisé de par le monde pour poser les indications pour une éventuelle revascularisation. Des lésions qui ont une FFR négative définie par une lésion supérieure à 0,8 peuvent être traitées médicalement, alors que des lésions avec une FFR inférieure à 0,8 doivent bénéficier d'une revascularisation. Mais on a remarqué que dans certains groupes, sous-groupes, surtout chez les patients diabétiques et surtout chez les patients avec un antécédent de syndrome coronarien aigu, même si on arrive à déterminer des lésions, on arrive à trouver une FFR qui est négative, c'est-à-dire supérieure à 0,8, dans d'autres lésions intermédiaires ou dans d'autres lésions qui ne paraissent pas significatives, ces patients-là, dans ces sous-groupes-là, font quand même des adverse outcomes par rapport aux patients avec son diabète et son syndrome coronarien aigu. Donc, et si on refait une petite analyse de l'étude Prospect, on va trouver que les patients qui font des MACE en rapport avec les non-culprit lesions, c'est en fait, ils sont plus importants dans le groupe des patients diabétiques, et que l'association du diabète et d'une TCFA, la TCFA c'est quoi? En fait, c'est le thin cap fibroatheroma, c'est-à-dire c'est la définition d'une plaque qui est recouverte d'une charpente un petit peu fibreuse et qui est le plus souvent associée à un worst outcome, qui est le plus souvent associé, qui est sujette à une rupture. Ça représente le plus grave pronostic, c'est-à-dire les patients qui ont les deux, qui sont en même temps diabétiques et qui ont une répartition de ces plaques qui est importante, ont un worse outcome. Donc, dans l'étude Combine, on a essayé de voir les malades diabétiques avec des lésions intermédiaires toujours à l'angiographie et avec des FFR qui sont négatives. On a essayé de suivre leur évolution en présence ou en absence de TCFA, et cette TCFA a été détectée par OCT. On sait qu'on peut la détecter par OCT et on peut la détecter par IVUS. Alors, par OCT, ça paraît comme des régions avec un signal qui est faible, donc avec une émission de signal qui est faible et avec une cape qui fait moins de 65 angstrom, alors que par IVUS, la TCFA, elle est définie par la présence d'une zone qui est anéchogène ou avec une atténuation des ultrasons et avec un aspect de remodelage. Donc, c'est une étude qui est prospective, multicentrique, dans laquelle on a inclus des malades avec syndrome coronarien aigu ou syndrome coronarien chronique. Les lésions qui ont été incluses, c'est des lésions intermédiaires entre 40% et 80% à l'angiographie, et c'est des lésions qui ont subi une analyse par FFR, puis donc si la lésion elle est négative, on fait une OCT après. Donc voici le chart flow de l'étude. Si la FFR elle est inférieure à 0,8, là à ce moment-là on procède à une revascularisation et on va étudier ça comme un secondary endpoint ou outcome. Maintenant, si la FFR elle est supérieure à 0,8, on fait une OCT. Et si l'OCT elle revient en faveur de TCFA, c'est le groupe B. Si elle revient en défaveur de TCFA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de TCFA, c'est essentiellement le groupe A. Et on compare les deux, on compare les MACE en fait entre le groupe A et le groupe, on compare les MACE entre le groupe A et le groupe B.
Donc, pour la composition des plaques en OCT, ça c'est très simple. Ça c'est très, pardon, c'est très important. C'est pas simple, mais c'est important. Donc, dans le groupe A, il y a là où il n'y avait pas de TCFA, la teneur en calcium était très faible. La neurovascularisation aussi. La présence de plaques lipidiques, elle était faible aussi. Et la présence de débris de cholestérol était faible aussi, ainsi que l'infiltration macrophagique. Et donc, pour faire simple, une TCFA, c'est quoi? C'est une plaque qui contient un certain nombre de caractéristiques histologiques qui parlent ou qui renseignent sur une plaque qui est instable et une plaque qui est fragile et active. Et voici comment une seule plaque peut avoir plusieurs lésions en même temps. Donc, dans une seule plaque, on peut avoir des calcifications, on peut avoir une rupture, on peut avoir une partie qui est déjà, qui est déjà, on va dire, healed, c'est-à-dire une partie qui est déjà guérie. Et on peut avoir aussi du thrombus avec une TCFA sur une seule plaque. Donc, la plaque en elle-même, même si angiographiquement elle paraît homogène, mais au final, sur le plan histologique, elle est très hétérogène. Et voici le primary outcome ou primary endpoint qui était les décès cardiovasculaires, la revascularisation du vaisseau natif ou l'hospitalisation. C'était entre le groupe TCFA positif et TCFA négatif. Le primary outcome était très significatif avec un petit p très très petit. Pour le secondary outcome, malheureusement, ce n'était pas significatif. Je vous rappelle que le secondary outcome était essentiellement l'incidence des MACE entre le groupe qui est avec TCFA positif et le groupe qui a bénéficié d'une revascularisation. Vous vous rappelez, c'est le groupe dans lequel on ne pouvait pas le randomiser parce qu'il avait effectivement une FFR qui était très significative, donc inférieure à 0,8. Donc la revascularisation l'emporte sur le traitement médical dans ce groupe-là. Donc en conclusion, on va dire que même si la FFR elle est négative dans ce sous-groupe de patients diabétiques, ces malades-là présentent un haut risque d'événements cardiovasculaires qui sont indésirable, surtout quand ces plaques-là, elles sont en rapport avec la présence du TCFA, qu'il y a deux notions essentielles à comprendre, la notion d'ischémie et la notion des MACE. C'est deux notions différentes. Ça ne veut pas dire que la lésion, elle est quand on fait une angiographie pour une raison X ou Y. Si on traite la lésion coupable et qu'on a d'autres lésions, si on juge que la lésion, elle est intermédiaire, elle ne va pas s'exprimer, bien sûr, sur le plan ischémique, ça on est d'accord, mais ça ne veut pas dire que cette lésion ne sera pas responsable d'événements adverses dans le futur. Et ça, c'est deux concepts complètement différents et qu'il va falloir différencier et comprendre. La quatrième étude, c'est l'étude Tongo. Maintenant, on sort un petit peu des coronaires et on passe au vasculaire périphérique. Et dans l'étude Tongo, c'est une étude dont on va aller très vite, ça va être très rapide. Parce que c'est une étude qui s'est intéressée essentiellement aux lésions infrapoplitées, c'est-à-dire les BTK, below the knee. Et on sait que dans la région below the knee, les résultats du traitement interventionnel sont très, on va dire, sont très insuffisants pour le moment. Donc, on a essayé les stents, on a essayé les ballons actifs, mais ça ne marche pas comme les ATK, ça ne marche pas comme above the knee. Ce n'est pas le même concept et ce n'est pas les mêmes outcomes qu'on a. Et pour l'hypothèse, on s'était dit que peut-être parce que, par exemple, pour les ballons actifs, il y a la délivrance du produit, elle se fait de manière plus restreinte parce qu'il y a une comment dirais-je, parce qu'il y a des modifications histologiques dans cette région-là qui font que la délivrance du produit, elle est toujours retardée et elle se fait de manière mauvaise. Et c'est pour cela qu'a été étudié le temps sérolimus à la place du paclitaxel ou du sérolimus dans cette région-là et dans un emballant actif. Donc, pour l'étude Tango, elle s'est intéressée aux lésions below the knee, c'est-à-dire les lésions infrapoplitées. Elle a pris essentiellement le BTK, elle a pris essentiellement le temps sérolimus sur le Bullfrog. Le Bullfrog Micro-Infusion Device, c'est un device qui est assez révolutionnaire et qui permet une injection du temps sérolimus sur des régions qui sont difficilement accessibles à l'agent actif. Et ça a beaucoup de caractéristiques qui permettent une délivrance plus ou moins continue du produit.
Donc, la comparaison entre le paclitaxel ou le sirolimus versus le tamsirolimus, on sait que le paclitaxel, déjà, que ça pose problème sur le marché parce que c'est assez cytotoxique, c'est nécrotique, il n'est pas très, très accepté. On sait qu'il n'a pas une action anti-inflammatoire, alors que pour le tamsirolimus, c'est tout le contraire. Il est beaucoup plus cytotoxique, il est très safe, et il a une action antisténotique, une action anti-inflammatoire et il est, par-dessus tout, il est accepté sur le marché. Donc, pour l'étude, c'est très simple. On a pris une soixantaine de malades, 20 pour le groupe contrôle et 40 pour le groupe traitement. Et dans le groupe traitement, c'est une étude, c'est une étude 2 pour 1. C'est-à-dire qu'on avait pris dans le groupe traitement deux groupes, deux sous-groupes, le groupe avec une dose de 0,1 et le groupe avec une dose de 0,4. Et le primary endpoint, c'était un signal biologique. On avait essayé de calculer le TVA à L, c'est-à-dire le transverse view area loss. Pour faire simple, c'est la surface de section qui est perdue au cours du suivi après revascularisation. C'est-à-dire on a une surface A, par exemple, on revascularise, on essaie de conserver cette surface et à 6 mois, on recalcule la surface qui reste. Le loss, la perte des deux surfaces A et B à 6 mois, ça va être le TVLA et ça va être notre primary endpoint. Donc ça, c'est une plaque qui explique comment on le calcule. Et il faut savoir que cette étude, ce qui fait la force de l'étude, c'est que ça inclut toutes les lésions de task A jusqu'à task D. La classification task, c'est la classification qui sert un petit peu à classer les lésions périphériques. C'est une classification consensus qui est un petit peu compliquée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les lésions de type A, c'est des lésions plus ou moins focales. Les lésions, plus on avance dans le truc, plus on avance dans le tableau, plus les lésions elles deviennent difficiles et on peut comprendre qu'une lésion de type D aura un worse outcome par rapport à une lésion de type A. Donc, le primary endpoint, comme on peut le voir ici, ça a été une différence qui est significative dans la surface perdue entre le groupe traitement et le groupe contrôle. Et ça, c'est pour tous les malades confondus. Et même si on enlève les malades du task A, c'est-à-dire les malades qui ont des lésions plus ou moins focales, plus ou moins simples, on maintient le petit p est maintenu et la différence, elle devient significative. Alors, pour conclure, on va dire que pour l'instant, c'est tout, les BTK restent toujours le point noir du traitement interventionnel interventionnel périphérique. On a essayé des ballons actifs, on a essayé des stents actifs, mais les résultats ont été positifs que pour des segments focaux et petits. Pour que ce qui est des lésions diffuses, c'est toujours difficile et que l'étude Tongo permet d'apporter un nouveau souffle pour ces malades-là. On a terminé avec le TCT. Bon, j'espère que ça n'a pas été très barbant. On passe rapidement maintenant pour PCR Valve en 2020. Et PCR Valve, en fait, ça a porté essentiellement sur les interventions sur le TAVI, sur ce qui a été nouveau dans le TAVI, sur ce qui a été nouveau aussi sur le MitraClip et sur la valve TRIC qui connaît un essor fulgurant. Mais malheureusement, aujourd'hui, par souci de temps, on va faire que deux études et c'est deux études essentiellement sur le TAVI. Alors, la première étude, c'est l'étude Notion Trial. Notion Trial, c'est très simple. En fait, ils ont pris, c'est une étude de suivi qui a permis de suivre des malades qui ont été implantés en 2009 jusqu'à avril 2013. Et c'est des malades qui ont été implantés de TAVI versus des malades qui ont subi une chirurgie conventionnelle de remplacement valvulaire aortique, mais chez des malades qui sont à bas risque. Donc, c'est la première étude qui permet de comparer sur une assez longue période les malades TAVI versus remplacement valvulaire aortique chez les patients à bas risque. Alors, pour le risque chirurgical, le STS score, il était bas chez les deux groupes. La répartition des malades a été faite de manière équitable, donc le petit p n'était pas significatif. Pour le primary outcome, c'était la mortalité toutes causes confondues. On trouve qu'il y a une assez bonne concordance entre les deux groupes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence significative, ni en faveur du TAVI, ni en faveur du remplacement valvulaire aortique. Et pour le critère combiné, la mortalité
mortalité globale, stroke et MI, c'était la même chose et il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Par contre, en ce qui concerne en termes de performance de valve, là, c'est le TAVI qui l'emporte de manière spectaculaire avec un petit P inférieur à 0,05 pour ce qui concerne la surface et en même temps le gradient résiduel, et ce, sur une période assez, assez soutenue dans le temps. Pour aussi, en ce qui concerne la dégénérescence de valve ou la détérioration de valve qui est définie par le consensus de 2017 comme étant une augmentation du gradient moyen qui dépasse les 20 mm ou une différence entre le gradient de base et le gradient d'aujourd'hui de plus de 10 mm avec ou sans une régurgitation aortique au minimum moyenne, en fait, ça a été significatif en faveur du TAVI, c'est-à-dire qu'il y avait moins de détérioration de valve et moins de dégénérescence de valve. Et pour ce qui est des décès en rapport avec la valve, la différence, malheureusement, n'était pas significative entre les deux groupes, c'est-à-dire un décès en rapport avec la valve est défini essentiellement par une mort inexpliquée après un diagnostic d'une dégénérescence de valve ou par un décès causé essentiellement directement par une dégénérescence de valve, et ça, ça n'a pas été significatif entre les deux groupes. Donc, en conclusion, on va dire qu'après 8 ans de suivi, on a pu voir que la mortalité, en fait, ça ne diffère pas entre les deux groupes, mais la performance de valve, elle diffère et c'est toujours en faveur du TAVI. La dernière étude qu'on va commenter, c'est l'étude HydraValve. Et l'étude HydraValve, c'est très simple. En fait, c'est une étude qui a permis l'introduction de cette valve Hydra que vous voyez ici sur le marché européen. Et c'est une valve qui est commercialisée par une société indienne, SMT, qui est déjà commercialisée en Inde et en Asie et qui vient de débarquer sur le marché européen. Alors, cette étude avait pour objectif d'étudier l'efficacité, mais surtout la safety de l'HydraValve dans le remplacement valvulaire. Cette valve, elle ne vient pas, c'est pas seulement une nouvelle valve sur le marché, c'est aussi une valve avec de nouvelles performances. Et elle essaie de répondre à toutes les petites lacunes des autres valves. Par exemple, elle permet un accès coronaire assez facile parce qu'elle a des mailles qui sont plus larges que la CoreValve ou que la Sapiens. Elle permet aussi, elle a une flexibilité qui est énorme, elle permet d'avoir une hémodynamique plus performante. Elle a réduit, on a pu démontrer qu'elle avait réduit le taux des anomalies de conduction post-TAVI, surtout le taux d'implantation de pacemaker. Et aussi, vous allez voir que son aspect-là, surtout avec en aspect de panier, comme ça, et ça permet une recapture et une recapture de la valve après, par exemple, après une erreur de largage. C'est-à-dire, on sait que, par exemple, dans une valve, si on finit, dans une valve de TAVI, si on finit par la larguer et qu'on n'est pas satisfait un petit peu du résultat, ça va être très difficile, voire parfois même impossible, de recapturer la valve. Et cette valve-là, c'est la nouveauté qu'elle propose, l'HydraValve, c'est que même si on a fait un largage de 90% du dispositif, on peut la recapturer après si on n'est pas satisfait du résultat final. Donc, le suivi de l'étude a permis de démontrer qu'on avait des gradients qui étaient moins importants que le gradient de départ. Donc, c'est une valve qui est efficace, que ce soit sur le plan surface, sur le plan gradient. La diminution de la classe, la Henning Akasha, elle aussi, elle est au rendez-vous, avec presque la moitié des malades qui ont une classe de Henning Akasha après une année. Et pour les complications de l'insuffisance aortique post-implantation, on est dans les normes, c'est-à-dire soit il n'y a pas d'insuffisance aortique, soit c'est vraiment léger chez 65% des malades à une année. Donc, en conclusion, cette étude HydraValve, elle a permis de conclure à une efficacité et à une safety cette valve avec un taux de complication qui est moindre par rapport à la fuite paraprothétique et
aux nouvelles implantations de pacemaker. La mortalité, elle reste quand même un petit peu importante, mais ça s'explique par le fait que la plupart des malades qui ont été inclus, c'est des malades à très haut risque chirurgical, donc ça n'a pas inclus les malades à risque faible ou modéré. Et bien sûr, il nous faut randomiser pour pouvoir avoir un effet sur pour pouvoir avoir une certaine idée sur son efficacité en long cours. Et voilà, je vous remercie. Très bien, Katek Saha. Baouni, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Ah, il y a Kara. C'est à toi de parler. Merci Baouni pour cet horizon de l'année 2020. Ben, je pense qu'il a été assez complet. On vient de voir encore une fois l'intérêt et la place à venir de ces modalités, surtout d'imagerie endocoronaire. Au début, c'était chaque modalité de son côté. Maintenant, on a de plus en plus tendance à les combiner et à essayer de simplifier les process et les procédures et les machines de telle façon à réaliser plusieurs études et plusieurs techniques en même temps, OCT-FR, IVUS, FFR, etc., etc. Donc, c'est des choses nouvelles. Reste maintenant pour le TAVI, bien sûr, la place chez le bas risque, elle est à venir et elle va commencer à s'imposer. Maintenant, les plus grands centres au monde commencent déjà à faire du bas risque, bien que et les recommandations vont venir. Voilà, s'il y a des questions, vous les posez et on essaiera d'y répondre. Vivement le début, Hachem. Vivement? Le début chez nous, parce que. Inch'Allah, peut-être la Valvindienne, elle va coûter moins cher. Je n'ai pas d'idée sur le. C'est-à-dire là, c'était du rêve pour l'instant. Toutes les présentations ont été, on va dire, de l'espoir, pour ne pas être péjoratif. Oui, pas uniquement sur le TAVI, même sur les modalités L'imagerie du aussi. TAVI. Oui, parce que récemment, le monsieur, je pense que tu as écouté le monsieur avec William Wyss, lorsqu'il a commencé à parler de quelque chose d'autre, c'était la mesure à FFR au scanner, au corps au scanner. C'est un monsieur qui est considéré comme le père de la FFR. Il leur a dit carrément que Visionnaire. d'ici quelques. Ouais, le visionnaire. D'ici quelques années, tout service de cardiologie aura un scanner au sein de sa structure, non seulement pour évaluer les sténoses coronaires, mais surtout pour mesurer la FFR. C'est-à-dire que dans quelques années, le compte rendu d'un coroscanner, non seulement conclura à une sténose qui est serrée ou non sur l'aspect angiographique, mais d'emblée, il nous donnera une mesure de FFR. Donc l'opérateur, au lieu d'aller à gauche et à droite, ira directement traiter la lésion qui, au préalable, a été évaluée par le scanner sur le plan morphologique et sur le plan fonctionnel. Chose qui si ça se réalise, ça va vraiment, vraiment bouleverser les pratiques. Mais bon, c'est du rêve, comme tu viens de le dire. Voilà. Et chauffe les gens qui lèvent la main. Chauffe, après on ne voit pas. Bon, là, levez la main. Vas-y, bon, là. Oui, s'il vous plaît. Je voulais savoir par rapport à la première étude, la FFR, qui était faite pratiquement presque systématique pour rechercher un petit peu la diminution du flux et tout. Est-ce que ce n'est pas un petit peu aller chercher la petite bête, vu que les patients qui sortent déjà avec, même si les lésions ne sont pas optimisées après angioplastie, ces patients-là continuent à vivre normalement et il y a d'autres examens non invasifs sur lesquels on est revenu. Par exemple, les patients qui sont stabilisés sous traitement avec des examens non invasifs, on dit ce n'est pas la peine d'aller toucher ou tripoter dans ces lésions.
Donc, pourquoi un petit peu maintenant la FFR pour pousser l'examen invasif et un petit peu abusivement, je dirais entre guillemets abusivement, parce que je n'ai pas toutes les données, ça, ce n'est pas mon truc. Et en même temps, j'ai une autre deuxième question sur l'étude là qui a comparé le TAVI au traitement chirurgical, puisqu'on disait que le TAVI, c'était pour les patients qui avaient un haut risque chirurgical. Et on savait au début que ces patients dégradaient plus rapidement leur prothèse. Est-ce que c'est cette étude qui a été présentée, c'est une étude prospective ou bien elle était revue sur des registres? Merci. Alors, pour la première question, c'est effectivement très simple, mais enfin, c'est une question qui est assez légitime parce qu'au départ, on se dit qu'un malade il vient pour une lésion X, on lui fait la lésion et en principe, on est tranquille. Mais on a assez de recul sur ces patients-là et on a remarqué que, par exemple, juste pour donner un chiffre, on avait dit que 40% des malades, même après avoir reçu une PCI qui nous paraissait angiographiquement complète et de bonne qualité, rapporte toujours une angine ou rapporte toujours un angor une année après. Et on sait que ces malades-là, ils ont, si on les teste, on va trouver sur le plan hémodynamique que la lésion, elle est toujours significative et elle est toujours, elle s'exprime toujours. J'ai envie de dire que la lésion, en fait, on l'a traitée de manière esthétique, mais en même temps, sur le plan fonctionnel, sur le plan hémodynamique, le traitement reste inefficace. Donc, bien sûr, ça ne fait pas partie de la pratique quotidienne. On ne peut pas faire ça à tous les malades et même eux, ils en sont conscients. Mais qu'en est-il des malades chez lesquels on peut améliorer ce résultat-là? Et ce serait bien de proposer une amélioration, de proposer une optimisation de nos techniques d'angioplastie, parce qu'au final, c'est ça le but. Proposer une optimisation, faire une angioplastie optimale dès le départ pour ne pas avoir de MACE et pour ne pas avoir d'érosténose ou pour ne pas avoir un retentissement hémodynamique. C'est-à-dire, au lieu de reprendre le malade deux fois, on le fait une seule fois et en bonne et due forme, quitte à essayer de confirmer avec des moyens qui sont coûteux, comme la FFR ou l'OCT. Donc, c'est ça l'optique. Pour la première étude, au-delà des résultats, je pense que le message principal à retenir, c'est le pourcentage de post-dilatation. Là, il est à 66%. C'est un petit peu élevé. Le dernier papier, je pense, de l'ESC ou d'un groupe d'angioplastie, c'était autour de 30, 40, 66%. C'est quand même beaucoup, mais je pense que c'est le principal message à retenir. Maintenant, est-ce que l'étude a été conçue pour pousser les gens à stenter plus? Je pense que l'ensemble des études qui sont faites actuellement nous poussent soit à stenter plus, prendre plus de statines, prendre plus d'IEC, prendre plus d'antidiabétiques, etc., etc. C'est un phénomène qui concerne toutes les études. Mais principalement, il faut retenir que la post-dilatation devient de plus en plus une étape indispensable et de routine. Voilà. C'est le principal message. Pour la deuxième question, pour l'étude Notion TAVI. Alors, l'étude Notion TAVI, en fait, elle avait comparé, c'est une étude qui est prospective. Donc, on avait dit, c'est une étude qui est randomisée, prospective, et elle avait comparé chez les malades TAVI versus remplacement valvulaire aortique. Et l'important dans cette étude, c'est que ça avait pris des malades qui sont à risque chirurgical qui est bas. Le TAVI, quand ça a commencé, c'était pour les malades qui ne pouvaient pas se permettre une chirurgie. Et maintenant, on va beaucoup plus vers les malades qui ne peuvent pas se permettre les malades qui ne peuvent pas se permettre un remplacement valvulaire. C'est-à-dire, le TAVI va devenir la référence. Pour les autres, le TAVI pour tout le monde, sauf
des cas particuliers, alors que dans le temps, c'était chirurgie pour tout le monde, sauf cas particuliers. Donc, c'est ça la nouveauté dans cette étude, et c'est une étude qui est prospective. Et l'intérêt de cette étude, c'est que ça, elle a permis un suivi qui est assez long. C'est-à-dire, on a fait un suivi de 8 ans, une randomise des malades, on avait recruté sur 4 ans, et on a fait un suivi sur 8 ans, c'est quand même énorme. C'est quand on sait que pour le TAVI, qui reste quand même une technique qui est assez nouvelle, on n'a pas beaucoup de recul. Donc, c'est important de savoir que c'est assez safe au moins sur 8 ans, qu'on a une performance de la valve qui reste supérieure à une valve chirurgicale, que ce soit en termes de gradient et qu'en termes de surface effective, et que pour la dégénérescence de prothèses, on reste quand même, le TAVI reste quand même supérieur. Il ne faut pas oublier que les techniques interventionnelles sont en plein essor. Donc, on essaie de plus en plus d'améliorer les valves. Et ce qui a été démontré par la deuxième étude, l'étude HYDRA, où la valve, elle donne moins de complications conductives, c'est-à-dire on implante beaucoup plus, on implante moins les malades pour troubles conductifs post-TAVI, quand on sait que c'est un petit peu le tendon d'Achille du TAVI quand ça a commencé. Ça permet aussi un accès coronaire qui est plus facile quand on sait que dans le temps c'était difficile, et c'est toujours le cas d'ailleurs, de cathétériser les sinus coronaires chez des patients qui ont un TAVI. Et ça permet aussi de diminuer les complications, surtout avec les fuites paraprothétiques. C'était une complication qui était assez redoutable quand le TAVI a commencé. Donc, je pense que les valves, elles vont en s'améliorant, et le TAVI va rapidement supplanter le remplacement valvulaire chirurgical, sauf quand l'anatomie, vraiment, elle permet pas de répondre, c'est-à-dire de faire un remplacement dans des valves très calcifiées ou quand l'anatomie, elle est vraiment... ne permet pas de faire un TAVI, là, on pourrait proposer un remplacement valvulaire chirurgical, mais le TAVI, c'est la technique du futur. Oui, juste une remarque, mais c'est des patients qui sont âgés de plus de 70 ans. Hein, donc, ça peut avoir... dans l'étude, les patients avaient plus de 70 ans. Donc, on implantait une valve, une bioprothèse d'une manière, on va dire... Sans aucun remords. On est très... Voilà, sans aucun remords. Après, pour les personnes qui ont une espérance de vie beaucoup plus importante, il faut attendre peut-être d'autres études. Parce que si un patient a 60 ans, on ne sait pas trop si le TAVI fera mieux qu'une chirurgie. On se voit mal lui proposer un remplacement par bioprothèse. Peut-être que dans 10 ans, ne sont pas les mêmes. On verra bien. Oui, oui. Ouais. Tout à fait. Merci, Yate, comme ça. Merci. La durabilité des valves, Omar, je pense que c'est une question qui a été tranchée. C'est bon, les valves, elles ont prouvé que, question de durabilité, c'est bon, plus de, on est à combien de recul? 15 ans, 20 ans pour les valves? Une quinzaine d'années, oui. Voilà, donc la question elle est tranchée. Hein. Maintenant, tu as dit tout à l'heure, Balnik, c'était la seule, je pense, si j'ai bien entendu, que c'était la seule valve qu'on pouvait recapturer. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres qui peuvent être recapturées, soit complètement, soit juste avant le largage. Donc maintenant, cette valve, si elle a quelque chose de spécial, à part le prix... En tout cas, elle a été présentée ainsi. Hein. Ils avaient dit que... Comment ça, complètement, laquelle qui peut être recapturée complètement? Pardon, les volutes pro, non? Avant la sortie. Il y a toujours toutes les valves en un certain moment. Si on largue un certain pourcentage, on peut plus la recapturer, hein, malheureusement. Pour la Hydra valve, c'est jusqu'à 90%. Il n'y a pas de valve qui est recapturable complètement après le largage complet. Enfin, ça va venir, mais c'est pas encore fait. Donc 90%, c'est quand même énorme. Et ils avaient ça dans la présentation. Ils avaient dit que c'est la seule sur le marché qu'on pouvait relarguer jusqu'à 90% et recapturer après.
Merci.